Quel message donne-t-on aux trisomiques, à leur famille et à leurs amis ? Qu'est-ce que je vais dire à la maman, la petite Hélène, qui est une enfant trisomique ? La maman se bat pour que cet enfant, au-delà du primaire, aille au collège. Et cet enfant est aujourd'hui accepté. Ça se passe très, très bien. Ces personnes peuvent aussi s'exprimer de manière heureuse et avoir une vie heureuse. Ça ne sert à rien de faire des grands discours sur l'inclusion à l'école. Si ce soir, on a un débat pour faire un tri absolument épouvantable. La vraie inclusion, je pense, c'est de reconnaître pour ses futurs enfants la valeur de leur vie avant leur naissance. Ce soir, entendant certains, on a l'impression que voilà, effectivement, la trisomie 21, c'est une espèce de tare qu'il faut à tout prix éliminer et le plus tôt possible. C'est absolument parfaitement incohérent au plan, philosophique de l'humanisme. À partir de quand on considère que on a le bébé parfait attendu? On n'est justement pas dans la science, pas dans la rentabilité, on n'est pas dans le bidouillage. Pardon, on est en train de parler de l'humain. Nous avons compris que notre humanité s'incarne dans notre relation au plus faible. En voulant supprimer toute forme de fragilité et de faiblesse, on sacrifie ce que nous avons de plus beau, cette humanité. Nous sommes terriblement humains lorsque nous sommes capables de renoncer à franchir certaines limites. Le risque d'une fabrique sur mesure qui ouvre à toutes les démesures. Mon avis est défavorable. Nous voterons, nous, contre ces amendements. Moi, je suis, et je redis, que je voterai contre ces amendements. Je vous invite, moi aussi, à vous opposer à cet amendement. Évidemment, contre ces amendements qui, en réalité, sont eugénistes.